Bonjour YouTube, bienvenue dans un nouvel épisode de Heart of Iron qui attaque le Japon. Nous sommes en live actuellement, bienvenue. Alors, nous faisons des débarquements. D'accord, on fait des débarquements. Bon, voilà. Nous avons notre armée ici qui. On a réussi le débarquement dans les Philippines, enfin. 1950, c'est très tard, mais. C'est bon. Du coup, il faut s'occuper des dernières poches ici. Il nous faut un peu plus d'approvisionnement. C'est pourquoi les convois ne passent pas. C'est pourquoi nous sommes en train de continuer le débarquement pour prendre toutes les Philippines. Voilà. J'ai mis les réparations en priorité. Et ce qui serait bien, c'est qu'on ait de l'approvisionnement ici. Mais le problème, c'est que si les convois ne passent pas du tout, ça ne sert à rien de foutre des ports. Et pour ça, il nous faut protéger. Donc on voit qu'il se passe détruire. Alors attendez, parce que. Non, ça c'est. Oui, c'est parce que ça se répare. Bon. Ok. Oui. Alors, les sous-marins meurent. On a pris ça, ça a été protégé par, bien sûr, les gardes-côtes qui sont tous devenus en étoile, alors que là, il me dit que non. D'accord, c'est pas grave. Oui, toujours ce problème, hein, cet endroit. Bon, voilà. Notre flotte de frappe, elle est là-bas. Est-ce qu'elle est en mission? Non, elle n'est pas en mission. Du coup, j'aimerais bien que tu te répares, mais sûrement pas à cet endroit-là. Le Japon, ce serait pas mal. Le Japon, puisque si tu veux du rapprovisionnement, c'est là-bas que tu vas en vouloir. Donc on va aller le foutre là-bas pendant qu'il se répare. Et nous, on va continuer un peu. Ici, on pourra pas avancer. On tiendra la défense, ça, il n'y a pas de problème. Le char rentre chez lui, bien sûr. Voilà, en défense, on tiendra aussi. Juste, ça serait bien qu'on tente de passer ici. Pas mal contente de passer là. On va récupérer de l'organisation, tout ça, tout ça. D'ailleurs, eux, je leur ai demandé un truc. Est-ce qu'ils vont... Oui, il reste quelques jours. On ramènera la flotte de frappe juste pour les permettre de passer. Le centre ne peut pas y aller à pied. Il va falloir débarquer. Ça va être possible d'ailleurs. Peut-être là. Là, ça va être compliqué. Bon, en tout cas, ça va. Toi. Tu vas me reprendre ça. Et ici, il n'y a pas de souci. Ça serait pas mal de prendre les îles là. Bon, en tout cas, on a plein de trucs à faire. Hein. Ça, je pense que vous êtes au courant. Bah, apparemment, la destruction de convoi, ça marche. Ça fonctionne. Oui, notre flotte se répare puisqu'elle a fait pas mal de dégâts. Bah, on peut le voir quelque part, sûrement. Je ne sais pas, mais en tout cas, lui, il a coulé des navires. Voilà. Ce qui est très bien. Ce qui est très bien. Notre flotte fonctionne. John Lost. Salut, salut. Bonjour, John Lost. Comment allez-vous, jeune homme? Bon, là, on tient. Ici, on pourrait tenter quelque chose. C'est de la forêt. Non, de la jungle. C'est vrai que c'est horrible. Ici, on a de la plaine. On va peut-être pouvoir les couper en deux. On a l'approvisionnement en plus. Bon, on n'a pas l'armée pour, hein. Mais bon, il y a moyen de faire quelque chose. Très bien. Juste les couper en deux, détruire cette poche-là, et puis il nous restera pas grand-chose. En vacances dans les Landes, je glande. Eh bah écoute, c'est la meilleure activité qu'un être humain peut faire. Voilà. Oui, ça va être compliqué parce qu'ils en ont encore de l'approvisionnement, mais ça, c'est pas très grave pour longtemps. Peut-être vous baissez le son du jeu, peut-être. Je débute sur ce jeu. Eh bah, écoute, moi aussi. J'ai 400 heures, mais je débute aussi.
Je pense que tu sur ce jeu, tu débutes toute ta vie. La fixation porteur. C'est pour la portée, ça serait pas. C'est compliqué, hein. C'est un jeu compliqué. Allez, faut y aller maintenant. Oui, c'est vrai, on n'a plus d'armes. On est à moins 26 000, on ne sait pas pourquoi. Mère de Bismarck. Il n'y a pas de problème, ils vont juste débarquer là encore. Sûrement. Je pense aussi, bien sûr, bien sûr. Voilà, parfait. Maintenant. Tu peux sûrement aller là, toi tu restes là. Hein. Attends, on ne perd pas notre territoire pour rien. Ouah. M'empêche d'avancer pendant que eux s'attaquent à lui. Avec un peu d'approvisionnement tout de suite. Ça a l'air de fonctionner un petit peu. C'est quoi le problème? La nuit, le terrain? Ah oui, c'est de la montagne. Mais c'est pas grave. Ah bon, on a trop bien. Ok. Un tir parfait. C'était plus simple que prévu. Leur convoi ne passe pas, bah oui, parce qu'on est en train de les couler avec les sous-marins. Le Reich allemand. Le Reich allemand envoie ses troupes. Le Reich allemand envoie ses troupes. En tout cas, le Reich allemand fait du bon boulot. Juste, il galère. Oh, y a de l'approvisionnement ici. Il pourrait tenter d'avancer à quelques endroits. Et de prendre bah rien, parce que ça, mais... Ouais, faut y aller, quoi. Bon, en tout cas, il ne passe pas. Tu veux du camion? Non, j'ai déjà des camions. Nécessaire 3500, réserve 3006. Ah! Je ne produis pas de camion. Je comprends mieux maintenant. Quelle production pourrait baisser? Celle-là. On produit un peu de camion. Bon. Oui, là. Là, c'est bon, c'est fini. Attendez. Quoi? Toi, tu peux y aller, mais t'as pas la... Oui, t'as pas la supériorité navale. Toi, tu es là-haut. Je vais te mettre en... Tiens, l'invasion navale ici. Oui, les réparations, t'inquiète. Et là. Et après, il reste se réparer. Voilà, comme ça, ils ont la supériorité. On va attendre qu'il y aille, tranquillement. Au débarquement, mais si ça devrait bien se passer, je pense. Tout a été recherché. Hein. Et on va continuer là. Hein. Pas de... Non, c'est bon, on n'a pas de problème. Il y a beaucoup de débarquements, mais ici, il n'arrive à rien. Allez, le temps qu'on a le carburant, ok, tu vas te placer là, très bien. Ouah. C'est le moment. C'est le moment, on y va. Parfait, ils se sont déplacés ici. Ah, je suis pas sûr de la manœuvre. Empêche-le d'avancer. Donc lui se déplace. Après on pourrait tenter de les contourner. Il y a moyen. Bon, deux choses en même temps, qu'est-ce que je fais? Ça fonctionne? Non. Là oui, mais pas là. C'est pas grave, on en refera un. Ici, ouais, mais je veux pas forcément, je veux juste les contourner. Ne pas les combattre, les contourner, s'il vous plaît. La Grande Finlande, 280 convois, non, on ne va plus refaire cette erreur. L'erreur des convois, plus jamais. Il y a du combat ici, oui, mais ça va pas, oui, c'est inutile.
Ça commence à passer là, très bien. Ici, on est passé, c'est super. Ok, toi, tu vas aller là. Toi, tu continues ta route. Et là, parfait. Capitulation des Philippines. Oh, ça fait 5 ans qu'ils doivent capituler. Enfin. On sait pas que c'était possible. Mais si. Wow. Toi, tu es passé. Tu es passé tout seul. Bah non. Enfin, il peut peut-être s'en occuper tout seul en vrai. On va faire une contre-attaque. Ok. Quoi? Voilà. Et toi, tu continues ta route. Tu la continues très bien. Donc aide-le. C'est la même chose, bon, même s'il ne va pas avoir besoin d'aide, mais au moins, c'est protégé. Les garnisons, maintenant, on peut ajouter une défense dans les îles de Los Filipinas. Parfait. Ça, c'est protégé aussi, maintenant. Oh oui, bon, arrêtez les conneries, maintenant. Faut y aller, là. Voilà. Il reste là. Le temps. Oui, parce qu'il peut avoir ce genre de problème. Vous allez vous mettre temporairement ici. Voilà. Il y a un débarquement qui se prépare. Le temps que la garnison arrive, ils sont déjà en route. Et après, on les enverra soit ici, soit dans les petites îles des Américains. Oui, ici. Cet endroit qu'on n'arrive pas à prendre. Où est-ce que vous allez? Où est-ce que vous allez? Je vais leur donner un ordre. Voilà. Le char, je t'ai pas demandé de venir là. Ici, s'il te plaît. Par pitié, voilà. Usine militaire, il nous faut plus d'armes. Alors que pourtant, on a une sacrée production, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Où aller navire? Et rien. Artillerie légère, artillerie légère. Ça fonctionne. Alors. Oui, on a de l'attaque de convoi, j'ai bien compris, ok. Les Philippines, c'est protégé. La Micronésie, c'est protégé. La mer des Mariannes, c'est protégé. La mer de Bismarck, protégé. Ah, attends. Quoi? Annule ta mission. Ici. Non, je vais y arriver. Je vais arriver, je vais arriver. Annule ta mission. Tu es où? Tu es là. Est-ce que tu as le temps de rejoindre là-bas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ferait un sacré combat si on arrive à rejoindre. Ce sera peut-être trop tard, je pense. On va juste ici, je pense qu'il sera trop tard. Ou pas. Non, 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 non. Moi, ça fonctionne très bien. Oui. On a perdu du croiseur, mais... Ouh là là. Mais c'est sublime! On a perdu 12 croiseurs, 12 destroyers, c'est pas grave. 3 croiseurs lourds de coulée, 2 croiseurs légers de coulée, 63 destroyers de coulée.
navire de patrouille maritime, très intéressant pour découvrir les justement les grosses flottes ennemies, hein, mais bon, il y a plein de trucs d'intéressants que je ne fais pas. Maintenant, il est temps d'aller réparer, hein. Et je pense que c'est le moment là. Ah oui, j'ai activé la... Oui. Attendez. Je ne sais pas jouer. Ça va. Bon, mauvaise idée, le détachement automatique, c'est une mauvaise idée. Voilà. Je pense qu'on le sait maintenant. Ça passe. Non. Vite, fuis. Bon, elle est cool quand même. Mais c'est incroyable! Aïe 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 aïe. Détachement automatique, non, hein. On oublie. On oublie maintenant, on ne fait plus ça. J'ai dit, on ne fait plus ça. Ok. Bon. Tout le monde? Là-bas. C'est pas possible. Très bien. Oui, donc. Écoutez. Ça fonctionne. Techniquement, on les coule. Mais ça fait très mal pour nous aussi. Voilà. C'est passé. Bataille navale. Alors, on coule un cuirassé, ça c'est très bien. On coule des cuirassés, on est content. Croiseur lourd, on est content. Croiseur léger, on est content aussi. On a perdu du croiseur léger, ça pique. On a perdu 8 destroyers, c'est très bien. On a perdu 4 destroyers, on s'en fout. E, 8. Un croiseur lourd, deux croiseurs légers, parfait. Et c'est tout, et c'est déjà très bien. Je pense. Alors on a la flotte du Chili. Bon, ça fonctionne. Ça fonctionne, notre plot. Notre plot. Après, est-ce que vous voulez un live sans bruit? Peut-être plus simple. Plus simple pour moi. La technologie et ça. Non. Quoique pour le débarquement, ça peut être très bien. Peut être très bien pour les États-Unis. Alors, ok, les batailles navales, c'est bon, on est content. Les avions. Maritime bombardier stratégique. De la défense, la production. Production toujours plus important que tout le reste. Ça, c'est les camions. Tiens, moins. Percée. Attaque légère. On va prendre la percée. On en produit pas de façon de la... matériel mécanisé. Ok, on ne produit pas assez de chasseurs embarqués. Oui, de toute façon, les porte-avions, je ne sais pas les utiliser, donc je ne les utilise pas. Vous êtes en protection? Ils ont l'air d'être placés. Bon, on a notre... nos marines. On a perdu ça? Ah oui, je les ai fait partir. Ok, on prépare ça, on récupère ces petites terres, c'est rien. Ça, je sais même pas comment on va réussir à le prendre. Enfin bon. Toi, t'es là-bas, c'est très bien. Les autres. Toi, tu es en réparation. Réparez-vous et rejoignez la flotte principale. Grande cellule, ouais. Grande... Il faut que je fasse une grande cellule pour le... La bombe. On va l'appeler... Le porte atomique. Avec bombardement stratégique. Est-ce que c'est un peu de l'excès, si moteur à réaction? Je pense. Faire vachement en agilité si on a un deuxième. On peut pas mettre de deuxième.
Détection de surface sous-marine. On va mettre la radio-navigation. Est-ce qu'on peut mettre viseur de bombardement, bombardement stratégique, ça serait pas mal. Il faut les produire aussi. C'est vrai que, maintenant que j'y pense. Détection de surface sous-marine stratégique. Mettre ça, ce serait pas mal de mettre un petit blindage, mais pour défense aérienne, poids, il nous faut de la défense aérienne. Pour tout ce qu'il va nous falloir, c'est de la portée, je pense. Bon, ça on va laisser comme ça, et les tourelles. Bon. Pour l'instant, on va laisser comme ça. 4 moteurs à réaction, c'est bien assez. Bon, on a notre porte atomique. Bon, faut le produire maintenant. On a pas d'usine. On n'a pas de... Oui, mais ça, c'est... On va réduire ça à 2. Et il va falloir commencer à reproduire du sous-marin, oui. Mais du destroyer, surtout. On va te mettre à 5. On manque de chantier naval. On manque de tout dans cette partie. Du sous-marin, mais c'est pas très grave. Bon, il nous faut du chantier naval. On va en mettre là. Toi, augmenter les infrastructures. Et on va t'en mettre ici. Ah, cette musique. Ici, c'est le Siam, donc c'est pas chez nous. On va pas leur construire des ports. Et tout a été construit ici, donc ça sert à rien de construire ça. Où est-ce qu'on peut en mettre encore? Le Japon, tout est fait. Hein. Oh, quoique là-bas, non. On va mettre ça au max. Ça. Ici. Voilà, on fait pas mal de chantiers navals. Maintenant. Les navires sont en réparation. On va plus les détacher, hein, parce que bon, on a quand même coulé pas mal de navires grâce à ça, mais c'est trop risqué. On a bien compris que c'était trop risqué. Ouf. 6 jours sur 10, on va reprendre ça et va falloir commencer à débarquer autre part. On en a 2. Ça, il faut les envoyer faire quelque chose. Pays-Bas, dominion d'Australie ou petites îles des États-Unis par-ci par-là. Il y a moyen que si. Oui, tout va bien. Il y a moyen que si on les. On prend leurs petites îles, ça leur empêche la portée. Ça leur réduit la portée. Je vais arriver, hein, le français. Donc, après, oui et non. Parce qu'ils ont juste à mettre leur flotte sur les terres alliées. Du coup, je ne sais pas. Ici, on va faire quelque chose. Ouah. Toi, tu vas aller là. Tu vas me prendre ces terres. Voilà. Comme ça, au moins, c'est fait. Et ensuite, voilà, tu retournes à la frontière ici. La frontière ici, elle n'avancera jamais, hein, je vous le dis. Il n'y a pas d'apprisionnement, donc ça sert à rien. Ici, tout est sous protection. Tout est protégé, toutes les frontières sont protégées, ils ne passent pas. Le russe n'a plus de matériel. Il y a moyen qu'on fasse quelque chose. Le problème, c'est que si on s'étend ici, il nous faut d'autres armées pour défendre tout ça. Je pense que s'étendre là, c'est dangereux. D'ailleurs, l'Union soviétique, il serait temps de capituler. Je pense que c'est bon, là. C'est fini.
Si l'Union soviétique capitule, on serait bien. On en est où? Il leur reste pas grand-chose. Mais le problème, c'est que si nous, on avance ici, ou autre part, là, on prendra pas de points de victoire. Donc ça ne résoudra rien. Il faut vraiment qu'ils arrivent à avancer là. Il y a un moyen en plus. Un moyen de faire quelque chose. S'occuper de l'Inde aussi. On a mis une armée, c'est vrai, on a mis une armée d'attaque. Mais on n'a plus d'armes. Ouais. Autant de souffrance. Ok, les porte-avions tout seuls, je suis pas convaincu. Ok, tous les navires sont là. J'espère qu'ils vont se rejoindre. Même si c'est un peu dangereux. C'est bon. Oui, vous. Sans eux. Il va falloir tenter quelque chose. Là, ça m'a l'air un peu gratuit. C'est vrai qu'on peut débarquer en Inde. J'ai jamais... Jamais réfléchi comme ça. Très bien débarquer par ici, par le sud. Et ils vont paniquer, se déplacer, et comme ça on pourra passer. Parce que l'Inde en moins... En fait, le truc, c'est que je ne sais pas si on aura le temps de s'occuper des États-Unis. Ni même l'armée, en fait. Donc, est-ce qu'on se concentre sur l'Inde? En tout cas, essayer de faire le maximum, bien sûr. Déjà, on avait quoi ici? S'assurer les Philippines. Très bien. Ça, c'était... Ok, faut prendre de toute façon toutes les régions utiles du sud. On n'a même pas forcément la priorité d'aller prendre les États-Unis. Donc j'ai envie de dire pour l'instant, notre objectif des priorités nationales, c'est les îles du sud. Donc on va prendre les îles du sud. Vous, sans les deux là, vous allez venir ici. Et vous placez là, déplacez-vous. Pendant que les deux là vont faire leur débarquement, on va les envoyer faire un débarquement ici. Et là, et toutes les îles par-ci par-là. On s'occupera de l'Australie. Ce sera bien. Nouvelle-Zélande, bien sûr, hein, ce pays qu'on oublie tout le temps. Ok, nos sous-marins ont coulé des croiseurs, très bien. Les armes. 19 000, ça remonte. Ça remonte puisqu'on n'est pas en combat, donc c'est plutôt logique. Les îles du Japon qui sont protégées avec rien du tout. Oui, toi, tu es tout seul parce que... Parce que oui, tu... Armée de 24. Oui, je voulais protéger les convois, mais on pouvait pas puisqu'on n'avait pas les... On n'avait pas les... Bah, la puissance, les hommes, hein, tout simplement. On a perdu ça, ok. Bon. J'ai envie de dire, c'est pas très grave non plus. Donc ça va. Par contre, il va nous falloir de la garnison. Je pense qu'il va nous falloir de la garnison. Plus, toujours plus. Pour les gardes-côtes. On va en prendre une quarantaine. On n'a pas le matériel. Je pense que c'est ça qui coûte le plus cher. On va mettre ici. Ça sera pour la protection des îles. Des îles ici. Chantier naval. On en est comment au niveau on manque de destroyer. On manque de destroyer. Donc, destroyer. Destroyer, peut-être même une nouvelle ligne de production de destroyer. Pour l'instant, on va faire comme ça.
technologie, on continue à rechercher le maximum. Où sont ces gens-là? Ces gens-là sont arrivés. Attends qu'ils se placent. Du convoi, on coule du convoi, très bien. Ok, j'enlève leur ordre de bataille. Sauf vous, hein. Vous, vous êtes bien là-bas. Ok. D'ailleurs, vous pouvez... Ils peuvent y aller. Ils n'ont pas besoin de... apparemment de la flotte. Donc, tant qu'ils peuvent passer... Ah oui, il n'y a plus de navire. Bah, tant qu'il n'y a plus de navire, faut y aller. Ça nous laisse le champ libre. Niveau sous-marin. Niveau sous-marin, ça va. Mais pourquoi ils se... En plus, pas, je ne sais pas. Ah, sûrement peut-être ça. Code de réserve. Ok, bon. Ici. Ça passe. Je sais pas quand lui va arriver. Mais j'espère que 22h... Je pense que ça devrait aller. Croiseur sous-marin, on va faire une autre ligne. Une autre ligne de destroyer. Parfait, qu'on va mettre bien sûr dans la flotte de frappe. Bon là, c'est bon là. Les avions. Oh, les avions font leur taf. Bien, on est là, toi tu vas là-bas, et toi tu vas là-bas. Bien. Ouf. Vous vous déplacez, c'est sublime. Bon, je vais arriver. Toi, on continue la technologie. Police militaire, ça peut être intéressant sur les... pour la garnison, bien sûr. Et ça aussi, hein, bien évidemment. Vous, les 22. Il est temps de faire du débarquement. Encore. Toi, tu vas venir ici et... Ici et là. Très bien. On va en prendre deux autres. On va faire la même chose. Voilà, comme ça, ils sont 4, mais ça prend 10 jours. Voilà. Ils ont tous une mission, ils se préparent, normalement ça devrait passer haut la main, le temps que eux sont en train d'être entraînés, même si bon... voilà. En tout cas, priorité à l'armée sur place. Là, il n'y a pas de doute. Là, c'est l'acier, on a besoin d'acier. Parce que tout simplement, ce qu'on voit là, il ne passe pas. Donc c'est pour ça qu'on a du mal. Alors attendez. Il passe par où? Faudrait savoir où il passe. Manchukuo, je ne sais pas par où il passe. Faudrait mettre des avions. On va mettre des avions. On va mettre du... bombardier naval. On a combien? Oh ouais. 70 on va dire. 4, 5, 6. Ouais, on a 70. Vous allez plutôt vous occuper de là-bas. Venir là. Parfait. Est-ce qu'il y a plus proche pour eux? Non. Donc occupez-vous de là. Voilà, très bien. Il y a moyen qu'on arrive à faire quelque chose. Toi. Voilà, comme ça, t'es plus étendu. On s'en protège nos convois qui passent ici.
Technologie toujours, on continue, on recherche tout de toute manière. Bon, écoutez, on va se laisser ici dans cet épisode. Prochain épisode, bon, déjà la défense. La défense, ça tient. Pourquoi ils ont réussi à passer au Siam? Va falloir qu'on fasse gaffe au Siam, parce que mon niveau défense, ça a l'air d'aller, mais vous voyez, ils ont fait une poche ici. Une poche qu'on va... On va surveiller. On va surveiller pour le moment en secours. On va faire ça. Juste pour le secours. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Je vous fais des bisous. Et à la prochaine.